Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc, comme j'ai dit dans le précédent épisode, on va aller se faire une base et pour ça, on va avoir besoin de beaucoup de choses. Mais avant tout, on va avoir besoin d'autres choses un peu plus intéressantes. Alors, je croyais que j'avais récupéré le plan d'un réservoir capacité incroyable. Ça doit être une modification, tout simplement, j'imagine. Alors voilà, on va avoir besoin de ça. Donc, il va nous falloir deux de verre, un lubrifiant, un plomb, un lingot de titane. Voilà, c'est ça que j'avais tenu. Ok. Ok, donc on va déjà commencer par faire du tri dans notre inventaire. Tout simplement. Je le fais en off, je pense. Oui, je le fais en off les gens, et je vous retrouve le tri après le tri fait. Tout simplement, ça va être plus simple. Hop, voilà, à tout de suite. Ok, re, chers amis, du coup, j'ai plus ou moins fait un tout petit peu de tri. Suffisamment pour avoir que des piles vides, donc faire une batterie haute capacité supplémentaire. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, il va me falloir, on avait donc dit, hop, ici, hop. Voilà, au niveau des plans. Il va me falloir pour ça un lubrifiant, deux de verre et un lingot de titane en plus. Donc pour ça, le verre. Je vais l'avoir. Hop, puisque normalement, un peu plus bas. Alors, je sais pas si je l'ai sur moi. Je l'ai dit. Il va falloir que je range ça aussi. Celle-là qui doit être plus ou moins vide. Voilà. On est bon. Le plomb, je l'ai. Le verre, j'en ai un petit peu là. C'est celui que je viens de faire. Normalement, j'en ai aussi un petit peu ailleurs. Peut-être. Voilà. J'ai mes deux de verre, donc ça, c'est cool. Le quartz, on reviendra le chercher à un moment ou à un autre avec le CMOS, tout ça, vous savez. Donc là, il me reste plus qu'à avoir normalement le lubrifiant. J'en ai une ici, mais il va en falloir un deuxième. Et là, ça risque de se... le problème risque de se poser. On va aller le chercher tout de suite. C'est par là. Il y en a là-bas. Oula, toi, t'es très, très, très infecté par contre, mon pauvre ami. Désolé de l'apprendre. Voilà. Retour à la base. Bon appétit. En tout cas, on progresse. L'objectif étant de réussir à arriver à l'endroit où je veux faire dans le futur ma base, pour ensuite partir ailleurs. Je vais m'expliquer plus tard à ce sujet. Voilà, j'ai mes deux lubrifiants, un pour la baie des véhicules qui est ici. Maintenant, il va falloir du titane à foison. Et donc oui, un aussi pour ici. Pardon, ceci. Là, voilà. Il va me falloir deux lingots de titane, et c'est ce qui risque d'être le plus compliqué à trouver pour le moment, vu qu'en fait, ça prend énormément de place. Je replace le plomb. De toute façon, il m'en faudra que un, de mémoire. Et donc là, je vais aller récupérer 4 et 4, 8 et 4, 12 de titane. Juste à côté, normalement, j'aurais pouvoir en trouver. Bonjour. Vu que j'en ai pas trop pris. Exprès. Que normalement ces saloperies là en déplace un paquet. Pas que Puig par contre, hein. En vouloir. Bonjour. J'imagine qu'au fur et à mesure ils l'ont déplacé dans le fond. Et que je fais des ronds petit patapon. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oui, parce que c'est 4 par 4 ces trucs-là. Ça y est, le jour se lève. Allez, je voudrais juste éteindre le... Voilà, ne pas trop gaspiller d'énergie maintenant que j'ai ce qu'il faut. Boum. Ah, un petit peu d'oxygène. Pour 5 secondes de plus. Hein. Ah, le voilà. Appelez. Donc voilà, j'ai 12. Il va falloir que je ressorte en choper 2 autres ensuite. Il m'en fera 20. Avec ses... Cette fois, tu m'as pas fait peur. Cette fois, tu m'as pas fait peur. Ville gredin. Et pas ville brequin aussi. Ça marche aussi, mais bon, c'est pas la même chose. Voilà.
Tu veux pas continuer à faire du titane, s'il te plaît? Merci. Voilà, en voilà une bonne chose. Et hop, gain de place. La vraie question, c'est... Est-ce que j'ai encore la place? Oui. Ouh. Pour en récupérer deux. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. On l'a perdu, le Marcus, entre temps. Il s'est passé des choses. Cas. T'as bien essayé de me mordre, mais t'as raté. Hop là. Bonjour. Ils sont deux à me suivre, tiens. L'histoire de deux frères. C'est l'histoire de deux frères. Je sais pas comment ça s'appelle, ces bestioles-là. Je m'en rappelle plus. En VF, je m'en rappelle plus. Par contre, j'ai tapé dedans et quand je tape dedans, je peux les emmener. Ça, c'est chiant. Ok. Hop. Un peu plus de titane. Ok. Donc. Merci. Précisément, il me faut quoi? Il me faut... Un lingot... pardon. Où il est? De toute façon, je peux le construire. Je peux le construire maintenant. Voilà. Puis là, je peux le construire pour le porter avec moi. Sans problème. Je suis content de les avoir. Ces petits robots-là, heureusement que je les ai. Ensuite, une fois que j'ai ça, il me faut encore un lingot de titane, batterie de capacité, verre x2, lubrifiant et plomb. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Autrement dit, tout de suite. Pourquoi il m'a mis ça en. Pourquoi il m'a mis ça en premier? Laisse-moi mon couteau, s'il te plaît, merci. Hop. Au couteau, no ken. Et donc, du coup. Ouais, je vais pas libérer la baie à véhicule tout de suite, hein, tu t'en doutes bien. Voilà, on va partir dans cette direction. On va rejoindre la zone dans laquelle je veux mettre. Plus ou moins. Ma base. Puisque vous allez voir, le vrai problème de cette zone, c'est la proximité avec le cyclope. Tout simplement. C'est ce qui va être le plus compliqué à faire, entre guillemets. J'ai pas reconnu ce bruit. De qui, je l'admets, m'inquiète. Ah. Et donc maintenant, si je ne me trompe pas en plus, on va se diriger par là. Puisque c'est normalement au pied de l'endroit où je veux me poser qu'il y aura cette capsule de survie. Donc j'ai dit qu'on allait faire commencer la construction dans cet épisode, c'est pas dit. Peut-être que ce sera une session de 5 épisodes, ce qui fait beaucoup, hein, je dois bien vous l'admettre, ça fait énormément pour moi. Pas dans, forcément dans le sens... beaucoup de trop de travail, mais plus dans le sens où je vais prendre beaucoup d'avance sur vos conseils. Ça peut être pour moi un problème, c'est pas comme ça que j'aime travailler, entre guillemets. Mais bon, là pour le coup j'ai envie de jouer au jeu, je m'amuse. J'ai l'impression de pas être dans le bon endroit. Non, c'est bon. Ah bah non, même pas. J'aurais dû prendre de quoi faire une balise. Erreur de ma part. Erreur de ma part. Oui, j'ai reçu un autre message. Au courant, mais bon, on est au bon endroit. Tout ce qui compte, on est au bon endroit. Faut que je parte au nord-ouest. Il y a ça, hein. Ouais. On va dire nord-ouest, voire deux. Voici l'arbre en question. On est bon. Donc, ici, il y a une grosse surface. Donc on va en profiter. C'est ici que nous allons lâcher nos amis. Hop là. Oui, parce que je pensais qu'eux allaient avoir un... Hop. Un système de radar, mais non. J'aurais pu faire ça aussi, hein, mais bon, pas tout de suite. Pas tout de suite, vu la difficulté que j'ai à trouver du diamant et que j'ai pas encore l'aérogel, ni le verre émaillé, ni le plastacier, je l'ai pas non plus, je crois en plus. Oula. Bon. Personal propulsion. Cool.
Cool. Allez, hop. Et donc, on a enfin notre Seamus. Ça, c'est cool. Donc, le seul souci, c'est voilà, c'est ça, c'est qu'on les perd de vue facilement, ces trucs-là. Ok. Enfin bon, au-dessus de la capsule de survie, ça devrait être facile à trouver. Vous ne l'oublierez pas, vous, je suis certain, en tout cas. Donc normalement cette zone est plus ou moins safe à un point incroyable, d'où le fait que je sois intéressé par cette zone personnellement. Pour la base c'est bien mieux. Ouvrir la boîte de données, qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans? Un truc que j'avais déjà, génial! Excellent! Pas de cadavre. C'est presque la seule chose que j'ai envie de dire que je regrette. Ok, et donc, normalement, vous voyez qu'on est assez proche de la limite maximale. Et j'ai oublié d'ailleurs de prendre l'objet. Je l'ai laissé à la maison, désolé. Mais, là n'est pas la question, puisque dans le coin, il y a les derniers bouts du cyclope. On va juste devoir faire très attention à la profondeur à laquelle nous allons, puisque c'est ça qui va nous causer des problèmes ici. Comment ? Mais nous allons trouver les derniers bouts du cyclope. Je ne sais pas si ce sera ici. Ce sera un peu plus au nord. On va tenter un peu plus au nord. Je pense qu'on sera un peu plus chanceux. Attention à la profondeur à laquelle nous allons en fait, c'est surtout ça le problème. Ici c'est là, on est comme on est limite avec le Seamus entre guillemets vanilla on va dire. Mais c'est certain, on va trouver les dernières pièces ici, sans le moindre problème. Et d'ouvrir les yeux. Je viens de dire quoi, Marcus? Il suffit d'ouvrir quoi? Les yeux, t'en as? Oh merde! Bonjour! Mon futur voisin, je viens juste identifier les lieux. On va être copain, toi et moi! Surtout si je trouve les pièces de ce que je cherche. Peut-être qu'ils les ont bougées entre temps. C'est possible aussi, hein. J'aurais déjà dû en trouver normalement. Alors je vais laisser la capsule 13, je viens de voir qu'elle s'est enlevée. Non? C'est pas enlevée. Elle est là. Ok, autant pour moi, je l'ai pas vue. Ouvre les yeux, Marcus! Je t'ai déjà dit 3-4 fois déjà. Ah là là. Pas de réaction de la part du Marcus. Hein. Mais c'est par ici, hein. C'est dans le coin. Aïe. Ça va, on est encore en forme. 82 points. C'est encore bon. Ah. Ah, ça c'en est un bout. Est-ce que c'est un bout qu'on a déjà? Ça le truc. Ça qui me... Non. Génial. Je n'étais pas allé dans l'Aurora la dernière fois avec l'autre partie. On est dans le bon coin. Ah. Mais adorable. Vous êtes sublime. Je le dis, hein. Ah, puis il y a du diamant ici aussi. Il y a du schiste. Oh, c'est tellement l'endroit parfait. C'est tellement l'endroit parfait. Ici, il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. Chambre d'immersion, c'est ça. C'est intéressant aussi pour nous. Excellent. Ça nous permet de, justement d'accoster notre Seamus. Ou notre prone suit, hein, bien sûr. Hein. Mais vous m'avez compris le principe. Aussi. Ah, oh, vous êtes adorable avec ces sons. Vous voyez, vous comprenez pourquoi cette zone n'est pas, pas une autre? C'est tellement super relaxant par rapport au reste du jeu. Gros débile! Pourquoi tu me fonces dans le vaisseau? C'est un œuf.
Je t'ai fait avoir plus d'une fois aussi. C'est un œuf. Calmez-vous. On y est. Ah, que ce jeu est bon. Que ce jeu est bon. Que ce jeu est sain. Que ce jeu est drôle. Que ce jeu est sympathique. Que ce jeu est dangereux aussi, faut le dire. J'ai pratiquement fait pipi dessus tout à l'heure. Hein. Là, il y a quelque chose. Le pont, je l'ai déjà le pont. Hein. Ouais. Voilà. C'est pas grave. Attention à la profondeur. Là, il y a quelque chose. Mm-hmm. À quoi je me trompe? Coq, génial, on progresse. Alors bien sûr, on n'a pas tout ce qu'il faut pour le construire à l'heure actuelle. Je précise. On n'a pas tous les composants nécessaires, ni les découvertes de tous les composants. Donc effectivement, c'est pas, disons, la chose la plus utile à faire à l'heure actuelle. Mais une fois qu'elle sera faite, elle sera faite. Parce que je veux dire, on pourra plutôt se concentrer. Pardon. Pardon, pardon. Pardon, Simone. Mais bien sûr, une fois que ce sera fait, voilà, ce sera entièrement fait. Et pareil pour la... pour la chambre d'immersion que j'aimerais trouver tout aussi rapidement. Ça, soyons très honnêtes ensemble, j'aimerais énormément la trouver. Par contre, ça m'embête de vous faire que de la recherche dans cet épisode. Donc, je vais faire une coupure montage et je vous retrouve. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors j'espère que je vous l'aurai mis en vidéo, chers amis. Je fais clic droit pour déposer le truc ici dans le... Il tombe, et il tombe à travers le sable. Voilà. Il passe à travers le sable, et je ne le retrouve pas. C'est absolument dégueulasse. Ou alors c'était son ombre, peut-être. Dans ce cas-là, il est pas très loin. Mais ça m'étonne, je l'ai vu distinctement tomber. Mais c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, je suis dégoûté. Un instant, je reviens. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai eu envie de tricher. Je l'ai pas fait. J'ai eu vraiment envie de tricher parce que je trouve ça absolument dégueulasse, la perte de l'objet comme ça. Dans le sable. Sincèrement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je vais essayer un truc. Apparemment, ce n'est pas efficace non plus. Je vais essayer une gravisphère, tant pis. Je vais essayer une gravisphère, on va bien voir. Est-ce qu'il me manque un petit peu de cuivre? J'ai des piles? C'est des piles qu'il faut? Un petit peu de cuivre, le cuivre je vais l'avoir en bas. Hop, je vais essayer une gravisphère. Tant pis. Tant pis si ça fait des dégâts autour de moi. Mais là franchement le coup du ça tombe et qu'en plus de tomber ça fait ça, personnellement ça m'écœure. Je n'ai fait que complimenter le jeu, et pourtant, le jeu finit par m'écœurer quand même. Attendez, non, ça n'est pas un truc. Ok. Alors, il n'y a que des poissons. Ils sont attirés. Malheureusement. Donc j'ai été baisé. J'ai été littéralement baisé, chers amis. Je suis désolé. J'aurais essayé. Bon, l'avantage, c'est que ça me fera de quoi pêcher.
Hop. T'es pas mangeable, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Bon. J'ai été baisé par le jeu. Je suis dégoûté. C'est pas la première fois que ça arrive. Que le jeu me fait ça. Je suis un poil dégoûté. Ne pas vous mentir. J'ai envie de cheater pour me le donner, mais comme j'ai peur que ça me baise mes achievements, je vais pas le faire. Je vais pas cheater. De toute façon, j'ai dit que je cheaterai pas. Donc, je vois pas pourquoi je cheaterai, finalement. Mais, je l'aurais mis dans la vidéo. Je l'aurais mis dans la vidéo le moment où il tombe. Et de voir si c'est pas un jeu d'ombre. Je l'ai vu arriver là. De malencontreuse ombre. Ce serait bien si c'était que ça. Je pardonnerai au jeu. C'est que ça, je pardonne au jeu. Je sais pas. C'était que ça. Et non. Oh non, il a bel et bien chuté dans l'infini. Comment tu te déplaces, toi, voilà autre chose. Ça se ramasse. Ah bah cool. Ça veut dire que je peux le caler à un endroit où il y aura peut-être un peu plus de... de trucs à flotte. Mais ouais, là je suis vraiment dégoûté, chers amis. Je suis désolé, hein, mais là ça. Je trouve ça vraiment dommage qu'on en fasse une. Un bug comme ça, tiens. Traction. Bug. D'un. Module. De profondeur. Os. 1 dans le fond, dans le sable. Voilà. Hop. Colère. Hop. Du coup, voilà. Je cherche un endroit où il y aura un peu plus de. Voilà, ici c'est parfait. Hop, et de 1. Et de 2. Que j'étais en manque d'eau en fait, c'est la raison pour laquelle je suis venu. C'est déjà ça. Et 4. Ok. On va aller se faire un petit peu d'eau. Et j'y retourne. Ok, re, chers amis. Du coup, on a trouvé quelque chose ici. On va aller voir ce que c'est. Chambre d'immersion. Il en fallait 2 ou il en fallait 3 Il en fallait 2. C'est parfait. On a la chambre d'immersion. Ça rattrape un petit peu la perte du. La perte du. Comment. Du module, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Parce que dans cette chambre, on y classera tout simplement un système d'amélioration. En tout cas, dans cette base. La chambre, je ne sais pas, on verra bien où est-ce qu'on le placera, mais. Il me semble qu'on peut le placer dans la base, de toute façon. Dans la chambre. Je vais y arriver. Du diamant à foison ici à droite, contre la paroi. Très bonne chose, très bonne nouvelle. Il nous faut donc plus qu'un petit débris. Qu'un petit débris, c'est de la chambre d'immersion aussi. Heureusement. On va partir dans cette direction. Faut pas que je toucherai. Pardon. Pardon, pardon, mais je regarde les profondeurs, ma belle. Hein. Tu m'avais pas baisé un petit peu sur le coup du. Hein? Ma belle Simone. C'est mignonne, hein, mais...
Moi, c'est pas le genre de choses que j'apprécie ce que tu m'as fait un peu plus tôt, donc si tu veux bien me m'accorder un petit peu de répit, merci. Non mais oh, le respect. Où il est le respect? Bah, il est où? Il est où le respect? Il est où? Il est où le respect? Il est où? Mais ça m'embête quand même, parce que ça veut dire que je vais devoir aller chercher les ressources pour le recrafter alors que je l'avais. Ça ressemble, il y a un truc là, il y a un truc juste en bas là. Chambre d'immersion. On va la prendre, ça va me faire toujours deux fragments en plus. Voilà. Deux fragments de titane. Ah, mais c'est pas ce qu'on cherche. Alors, je crois me souvenir. Je crois me souvenir que... un peu plus à l'est, il y avait des choses. Reste à savoir si ce n'est pas uniquement ma tête. Vu que là, on joue véritablement avec la profondeur max. Qui est assez stressant. Alors reste à voir, ça se trouve sur les extérieurs, il y a quelque chose que j'ai loupé aussi. Hein. D'ailleurs, ça me parle vite fait, ça. Putain, il est... Merde, merde, merde. Excuse-moi, c'est parce que j'ai stressé à cause de cette saloperie là. Il y a le warper qui est arrivé sur ma tronche et il y en a un bout là. J'avais dit que ça me parlait, j'avais dit que ça me parlait. Vite, vite. Ok, on est bon. On peut créer le cyclope. Ça c'est fait. Objectif suivant. Retour à la base. Et on va écouter le message. Hop là. Ok, re, chers amis. Donc, on est à l'intérieur. On a les poches un peu pleines. Vieux. En train de perdre un petit peu. Il me donne soif aussi. Grave, hop, on a bu un coup. Tac. On écoute le message radio, je sais plus ou moins ce qu'il va nous dire. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. Je savais pas. There's no bad without the good, no good without the bad. Oh. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. C'est sympa. C'est sympa. Alors je pensais pas qu'on allait tomber sur ça. Ah bien que le message s'enlève. Y'a plus rien. Merde. Il n'y a plus rien. Bon. Bon, peut-être que ça vaut le coup de s'arrêter là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a tout là-dedans, et d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire. Mais on a plus ou moins tout. Ah, je voulais commencer la construction de ma base. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là et moi je vais vous retrouver dans la prochaine session où on aura peut-être un nouveau message. Moi j'attends, la chose que j'attends maintenant c'est le message. N'attendez pas à ce message intermédiaire avec le Sunbeam, mais bon c'est comme ça, j'y peux rien, bon bah on fera avec, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop, et désolé pour la promesse de la construction, c'est pas encore le cas.